Salut tout le monde, c'est Antoine, j'ai 18 ans et ça y est, j'ai enfin changé d'ordinateur. On voit ça tout de suite après l'intro. Pour mes 18 ans, j'ai pu changer d'ordinateur, donc jusqu'à présent, j'avais utilisé un PC portable Asus qui m'avait duré 4-5 ans. Ça fait 4-5 ans que je l'utilise, sauf que là, eh bien, ça commençait vraiment à être galère de l'utiliser. Donc il m'a rendu beaucoup de services. Donc pour vous faire une petite idée, c'était un ordinateur avec un processeur Intel Core i5, 8Go de RAM et puis une carte graphique Nvidia 850M. Donc on est très loin de ce qui se fait actuellement au niveau des cartes graphiques. Et pour tout vous dire, en ce moment, c'était vraiment dernièrement galère d'utiliser l'ordi, parce que tout simplement dès que je voulais faire sur Premiere Pro des modifications de couleurs dans une vidéo, ajouter des effets, et que je faisais une vidéo un petit peu lourde, donc en fait une vidéo propre au final, eh bien l'ordinateur mettait facilement une nuit, voire plus d'une nuit à me faire un rendu, une exportation de vidéo, donc c'était juste pas possible. En plus, quand le lendemain vous vous réveillez puis vous vous rendez compte qu'il y avait une erreur dans la vidéo, vous êtes obligé de recommencer tout, et donc vous reportez la vidéo d'un jour. Donc moi je pouvais pas faire ça, c'était juste impossible à faire, et puis l'ordi commençait à être un petit peu chiant à utiliser. Donc jusqu'à présent je l'utilisais, ça faisait 4-5 ans comme je vous l'ai dit, il m'a rendu beaucoup de services. À peu près à maintenant, je peux dire que 97% de mes vidéos présentes sur ma chaîne ont été réalisées sur cet ordi, donc vous voyez qu'on pouvait faire quand même pas mal de choses avec. Mais ça y est, j'ai enfin pu changer pour mes 18 ans. Donc sans trop de suspense, l'ordinateur que j'ai choisi, c'est un MacBook Pro Touch Bar 2017 en 15 pouces. Donc c'est pas la plus grosse configuration qui se fait. J'aurais pu améliorer par exemple le SSD ou le processeur. Donc ce que j'ai choisi justement en configuration, c'est donc la version en 15 pouces avec 16Go de RAM. Si je dis pas de bêtises, tous les MacBook Pro 2016 et 2017 ont déjà 16Go de RAM en 15 pouces. Ensuite, eh bien, j'ai pris celui avec un processeur 2,9 GHz. Il existe aussi une version 3,1, mais bon, évidemment, c'est plus cher. Ensuite, au niveau du stockage, j'ai pris un SSD de 500. En fait, sur mon PC d'avant, j'avais 1 Tera et puis j'ai vu que je les utilisais qu'à moitié. Donc 500, ça va le faire avec un petit disque dur à côté. Et puis, j'ai pris celui avec une carte graphique de 4Go. Donc, c'est le mieux qui se fait. Et la carte graphique, c'est super important pour pouvoir faire donc des vidéos. Donc, c'est mon ordi qui va me servir à la fois pour mes études, parce que je compte faire des études dans l'informatique et donc ça va bien me servir. En plus, par exemple, sur Windows, on peut difficilement faire un dual boot avec macOS. On peut faire des Hackintosh, c'est-à-dire installer Mac sur un PC. Sauf que la plupart du temps, eh bien, on n'a pas des composants dans l'ordinateur qui sont compatibles avec le Mac. Du coup, c'est super chiant. Alors que là, du coup, en prenant un MacBook Pro, je peux avoir Mac et aussi installer Windows avec Bootcamp, puisque Apple propose d'installer Windows sur son ordinateur. Et donc là, ça fonctionne parfaitement. Donc je suis sûr de pouvoir couvrir les deux systèmes. Et si je veux pouvoir programmer sur Mac des applications iPhone, par exemple, à l'avenir, eh bien, je ne peux le faire que sur macOS. Et donc, c'est aussi ça qui m'a poussé dans mon choix. Du coup, ce qui concerne vous et moi sur cette chaîne, c'est donc les vidéos. Et avec ce Mac, je vais pouvoir faire des vidéos toujours avec Adobe Premiere, évidemment. Mais je pense que je vais passer à Final Cut Pro. Donc si vous avez regardé ma vidéo précédente, celle que j'ai faite juste avant, où je fais le déballage du Honor View 10, eh bien cette vidéo a été montée intégralement avec Final Cut Pro 10. Donc je m'habitue petit à petit à utiliser ce logiciel. Donc il a ses atouts et ses inconvénients, mais je pense qu'il est vraiment plus optimisé pour fonctionner avec un Mac que Premiere Pro que j'utilisais jusqu'à présent. Donc je pense que ça va être plus simple de faire des vidéos avec ça. Et il y a pas mal de trucs cool qu'on peut faire avec. Donc la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment, je l'ai aussi montée avec Final Cut Pro 10, donc il peut y avoir des petites erreurs, évidemment, faut que j'apprenne. En tout cas, sur la vidéo précédente, j'avais remarqué un truc de fou, c'est que pour une vidéo de 5 minutes, là où mon ordi précédent aurait pu mettre 2, 4 heures, une nuit, si j'avais mis plein d'effets, et bien là, Final Cut Pro 10 m'a mis 1, 2, 3, 4, 5 minutes à me faire l'exportation. C'est un truc de fou pour moi. Pour certains, si vous avez des plus grosses configs, ça peut paraître rien, mais là c'est vraiment un gros changement. C'est beaucoup plus simple pour moi de modifier un petit truc dès que quelque chose ne va pas, puisque Final Cut Pro 10 est super rapide pour faire ses exportations, et ça c'est vraiment cool. Donc je vous ai fait un petit tour des caractéristiques juste avant. Je vous ai dit qu'on était sur du 16Go de RAM, 500 de SSD, 4Go de carte graphique et puis processeur de 2,9GHz. Et aussi, vous le savez peut-être ou peut-être pas, avec ce MacBook Pro Touch Bar, eh bien, on a uniquement des ports USB-C, on en a 4 plus un port jack sur ordinateur. Donc vous ne pouvez pas mettre directement des cartes SD par exemple, ou des clés USB. Donc ça peut être vu comme un inconvénient, c'est vrai,
Perso, j'utilise vraiment pas souvent des clés USB. Les seuls périphériques que je peux utiliser, c'est par exemple mon micro pour les voix off de temps en temps, ou une souris. Même ça, j'utilise pas très souvent sur le Mac, parce qu'en fait, le trackpad du Mac est vraiment super super fiable. Donc voilà, c'est pas super souvent que j'utilise des trucs USB, mais là, bon, ça arrive forcément. Quelqu'un veut vous passer un document comme ça, vous voulez enregistrer un truc. Donc c'est pour ça que moi, j'ai reçu grâce à Boutique Mobile Fun, eh bien, un petit adaptateur qui se branche en USB-C et qui vous propose dessus de mettre deux ports USB, un port USB-C pour continuer à mettre des périphériques ou à recharger votre ordi, parce que ça fonctionne avec ces ports-là, la recharge, et puis aussi de lire la carte SD. Donc pour récupérer la vidéo de ma caméra, c'est super important, et simplement avec un petit adaptateur super sympa que je viens clipser et hop, j'ai mes ports USB en plus. Mais vraiment, le but, ce serait que je réussisse à avoir des accessoires, un disque dur externe par exemple, qui soit directement en USB-C. Donc voilà l'histoire du petit adaptateur à acheter en plus. Bon, ça peut être vu comme un inconvénient, ça dépend ce que vous faites en utilisation. Donc l'USB-C, c'est vraiment cool, c'est assez rapide. En plus, eh bien, on peut charger son Mac sur n'importe quel port. On peut charger son Mac par 4 endroits différents. Et puis du coup, l'USB-C, quand ça se répandra au fil du temps, et j'espère, eh bien, ça va pouvoir faire en sorte qu'il y ait une connectique unique. Par exemple, les smartphones Android se connectent maintenant, se branchent en USB-C pour les recharger. Donc petit à petit, il y aura des périphériques USB-C partout. Donc voilà, je vous ai raconté un petit peu tout ça au niveau du Mac, Final Cut Pro, etc. J'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse éventuellement pendant les vacances, parce que là, je vais être en vacances les deux semaines qui arrivent. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo Setup 2018 où je vous présente tout le matériel que j'utilise, notamment pour les vidéos et puisque j'utilise au quotidien au niveau high-tech. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait une vidéo comme ça de type Setup. Concernant le Mac, je ne sais pas encore si je ferai d'autres vidéos là-dessus pour vous donner mon avis, parce qu'en même temps il est sorti, enfin la date d'annonce de ce Mac c'était 2017, l'année dernière vers juin, donc du coup il y a eu beaucoup de tests déjà faits dessus. Éventuellement je ferai des petites vidéos dessus, je ne sais pas encore, et là encore, si vous avez des idées, l'espace commentaire est là pour vous. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, de vous abonner évidemment à ma chaîne, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur Instagram, Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.